Et bonjour à tous, chers Minecraftiens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo le deuxième épisode sur la vidéo, sur la série, excusez-moi, je vais y arriver, Let's Play Automatique, donc deuxième épisode. Donc aujourd'hui, on va, comme j'avais dit la dernière fois, on va pas faire de la redstone, juste enlever le saut automatique. On va pas faire de la redstone, parce que il faut d'abord chercher les minerais. Donc on a dû faire, ça c'est pas le problème. Donc on en était où? Alors on avait une épée, tout le bazar. Ouais, bon, on a juste des jambes à faire. Bon, tant qu'on y est, on a qu'à les faire. Voilà, donc on va faire chauffer ça. Donc on s'est arrêté la dernière fois. Je m'étais arrêté à... Je vais vous montrer où je m'étais arrêté. On va prendre le charbon ici. On s'était arrêté à un endroit où il y avait de la lave, donc faut que je retrouve l'endroit. C'était vers là-bas, il me semble. Enfin, je supposais qu'il y avait de la lave. Tiens, un charbon, il y a même un zombie. On va juste attendre que ça cuise. Les minerais. Enfin, le fer plutôt. Punaise, j'y arrivais, voilà. Comme j'avais déjà dit la dernière fois, j'ai toujours pas changé de clavier, il faudra que je le fasse. Donc, alors. Ensuite, donc des jambes. Voilà. Parfait. Et donc là, on est nickel. On va. Tchac, 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 tchac. On va reprendre ça. Voilà. Ah mince, je suis con. Bon, c'est pas grave. On va faire cuivre le porc. Enfin, le mouton. C'est pas la même chose. Et on va descendre. Allez, tuer le zombie qui se trouve là-bas s'il n'y a pas déjà dispo. Normalement, il n'est pas censé. Ouais, non. Ça, une petite torche. Voilà. Et du fer, j'ai vu sur la gauche. On va tester notre épée. Oula, ça lag. Mais comme d'hab, ça lag. Bon. Au début, ça lag toujours. C'est normal. Après, ça. Mais décidément, il veut pas mourir celui-là. Voilà. Je spam clic. Voilà, on va juste un peu. Wow, on a qu'à miner comme ça le chunk il attend de se recharger. Oh, punaise, ça lag. Aussi, ça... Mais la dernière fois ça avait arrêté de laguer. Non, punaise, je suis bête. Voilà. Nickel. Donc je voulais aller dans options. Options graphiques. Bon. Au début, ça lag toujours, comme j'ai dit. Là, peut-être que ça a arrêté de laguer, on va voir. Vraiment chiant. Sinon, je peux toujours essayer de. Voilà, peut-être que ça arrêtera de laguer. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Ah oui, ce que je devais faire, c'était une pioche en fer. Je viens d'y penser maintenant. Punaise. Voilà. Le fer. Oh putain. Un beau petit filon. Ah, c'est un peu plus rapide si... Si les blocs pouvaient dispawn direct. Voilà. On va attendre le dernier fer. Parfait. J'ai vu encore du fer ici. C'était où? C'était où? J'ai encore vu du fer. Ah ouais, il était là. Voilà. Voilà. Hop. On ne veut pas aller dans le trou parce que si ça se trouve, c'est une crevasse. Voilà. Ce serait un peu bête de tomber à cause d'un lag. Hop. Hop. Attends que ça dispawn. Allez, s'il te plaît, avance. Pff, décidément. Voilà. C'est parce que j'ai pas mis de tapis de souris, donc ça lag légèrement. Il faudra que je le remette. Alors, on en était où? Voilà. Ça me saoule les lags. Alors là-bas, on a de l'eau. On va bouffer. Ça descend. On est quel 36. On va revenir juste pour chercher toutes les affaires. Or, le lit. Je sais pas si on le prend. Parce que comme ça marque au moins le spawn.
Ou sinon, ce qu'on peut faire, dès qu'on trouve un endroit avec pas mal de minerais, je repose mon lit et je remarque le spawn. Donc là, c'est bon, on a de la bouffe comme ça. Pioche. Est-ce que j'ai encore une pioche? J'ai une épée. Je vais refaire une pioche. Alors, ma pioche. Faut du bois. Je suis un peu endormie. Voilà. Ensuite, bâton. On va en faire. Voilà. Excusez-moi. Voilà. On a 20 fers. C'est cool. Même s'il en faudrait un peu plus. Ensuite, les bâtons. On va faire une épée en. Non, pas une épée, une pioche. Une pioche en pierre. Faudra qu'on fasse une pioche en fer. Quand on trouvera les minerais qu'ils ont besoin. Alors là, il faut une. Bon, j'ai pas ma hache, donc c'est pas grave. On va taper et casser avec la torche. On prend le lit. Hop, nickel. Et. Ah, là, j'ai l'impression que les lags. Ah, c'est bon, les lags. Ouais, donc à chaque fois, c'est au début quand je charge. Quand je commence à chaque fois à jouer. Ah, là, il y a du fer. J'avais pas vu. À chaque fois qu'on commence à jouer, il y a des lags. Donc bon, ça va si ça dure que une petite minute. Bon, c'est pas dérangeant si après ça s'arrête. Alors. Voilà. En fait, c'est le temps que le chunk il se charge. Alors, on m'avait dit comment le faire. Faudra que je le. On m'avait dit comment recharger le chunk plus rapidement. Sauf que j'ai oublié. J'avais essayé. J'avais oublié. Bon, ça relague. J'avais oublié de. de retenir les. Voilà, c'est bon. C'est juste que j'avais pas fini de prendre ma bouffe. Ouais, donc j'étais en train de dire que. Ouais, c'était. Une personne m'avait dit comment faire recharger le chunk. Ouh, punaise, j'ai pas vu lui. Ah! Ça lag. J'ai pas trop compris s'il avait le petit zombie, mais c'est pas grave. Bon, vu que ça lag un peu, je le spam clic, hein, même si je sais qu'il faut pas spam clic. Vu que ça sert absolument à rien. Mais bon, je sais pas où il a spawné par contre. Ah, et un autre zombie. C'est possible qu'il y ait une. Bon, j'y crois pas trop, mais c'est possible qu'il y ait un spawner. Bon, non, il devrait y avoir un peu plus de. Bon, là, s'il y a encore un zombie qui tombe, normalement, il devrait y en avoir un. On va juste éclairer, ça serait débile de. Ah, cool du fer. Ici. Je sens pas trop, on va boucher ici. Avec de la terre. Voilà. Je suis lent, je sais. Par contre, ça. Les petits zombies peuvent toujours passer, donc on va encore boucher. Ici, on va mettre de la pierre. Comme ça, on est sûr que normalement, il n'y a pas de problème. Alors, normalement, on n'est pas censé avoir du monde qui est censé venir. Et ça relague. Bon, c'est le chargement du chunk. Ouais, il faudra que je retienne la. Ouais, donc j'étais en train de dire que. Oui, on m'avait dit la commande pour faire recharger le chunk plus rapidement. Enfin, la commande. Les touches. Donc, il y a. Oui, bon, je m'en souviens plus trop vu que. voilà, vu que j'ai pas trop retenu. Mais il faudra que je les apprenne. Ça peut être utile. Parce que sinon, c'est assez chiant. Bon, c'est pas grave. Alors, on va continuer. On était parti là-bas. On s'enfonce. Donc, on était couche combien? 33. Ok. Couche vert, couche 11. On commence à faire du minage optique. Enfin, optique. Intensif. Non, pas intensif. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je vais devoir faire des torches. Jack, jack. Voilà. Ah, il y a du monde. Le truc le plus chiant, c'est les arches et les archers, c'est pas forcément les zombies. Et les creepers qui viennent dans le dos aussi, ça c'est chiant aussi. Alors, ça lag, c'est bien chiant. Sinon, je vais mettre Optifine. En fait, je l'avais mis en 1.8, sauf que j'avais, on va dire, j'avais pas spécialement envie de le remettre en 1. On n'a pas 11, mais je vais le faire, je pense. Ça évitera un peu les lags. Alors, voilà. Surtout que normalement, ça lag pas comme ça. Ah, là-bas, il y a de la lave, il y a beaucoup de fer. Décidément, le fer, il y en a beaucoup. Que ça, quasiment. Oh, bon, on va pas se gêner, on va le prendre. Faut juste, on va se mettre contre un mur pour éviter que ça spawn derrière.
Ce serait un peu bête. Bon, là, vous voyez que le chunk est chargé, donc ça pose pas de problème. Mais sinon, quand le chunk est pas chargé, les blocs, ils ont du mal à se casser. Donc sinon, par rapport aux autres séries aussi. Bah, il n'y a pas trop de nouveautés. Ah, je suis cassée. Il n'y a pas trop de nouveautés, comme j'étais en train de le préciser. Bah, si vous avez, comme d'habitude, des précisions, enfin, des précisions, ou de besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez des idées aussi, j'ai eu pas mal, enfin, quelques idées, j'en ai aussi des idées pour la série Créer un serveur A de A à Z. Donc, pour le moment, on a juste fait un mini-jeu. Alors, ça sera plutôt des mini-jeux, vu que j'ai l'impression que vous. C'est plutôt le mini-jeu qui vous intéresse. Mais quand il y aura plus grand monde qui me précisera grand-chose, qui me demandera grand-chose, je commencerai à faire les choses qui semblent pas forcément utiles ou qui... mon micro qui bug. On en avait déjà parlé la dernière fois. Alors là, il y a la lave. Ça permet de faire de la lumière. Oui, donc j'étais en train de préciser que oui, quand il y aura, j'étais en train, oui, de dire que les choses qui sont simples et qui peuvent paraître pas forcément inutiles, mais qui sont des options supplémentaires. Alors la lave, si on doit tomber dedans, voilà, on va mettre de l'eau. On gêne pas, hop, nickel. On va juste mettre une torche. Ah, avance, merci mon clavier. On va juste mettre une torche. Voilà, c'est bon. Elle a dû faire. On va arrêter la source d'eau. Voilà, merci. Voilà, donc j'espère qu'on va au moins trouver autre chose que du fer. Bon, c'est intéressant le fer. Hein. Mais par exemple, un peu d'or ou de la redstone. Du diamant, ce serait aussi sympa, mais bon, ce sera plutôt une série. J'ai vu un. Ce sera plutôt une série. Une série ouais donc Redstone donc c'est plus intéressant Redstone même si c'est pas complexe à trouver ça normalement c'est pas loin à trouver dès qu'on s'enfonce un peu on en trouve bon là couche 27 on risque pas d'en trouver direct ah non, putain un archer excusez-moi on va se cacher on va le prendre et normalement il est censé venir et oh ah, il est là-bas le con. Non, il est censé m'avoir. Ah voilà, dans mon champ de vision. Je sais pas par où il va passer. Eh oh, tu me vois? Putain. Ah, je me suis mal positionné. Voilà, on va le contourner. Allez, crève. Putain, si je crève à cause d'un archer, ça va pas le faire. Voilà. Alors, on va prendre le fer. Ah ben voilà, un petit truc qui s'enfonce correctement. J'ai l'impression. Ah, de l'or, cool. On va pouvoir faire. On va mettre notre lit. Oula, il y a des squelettes là-bas. Je sens pas trop. On va prendre la flèche. Ah merde, je peux pas la prendre. C'est vrai que on peut pas prendre les flèches comme ça. Alors, ok. Si j'étouffe, ça va pas le faire. Voilà, c'est bon. Alors, au moins on a marqué notre point de spawn. Alors, on va juste enlever autour parce que ce serait con. Quand on respawn, au cas où si je meurs, on s'étouffe. Normalement, c'est pas censé, mais avec les lags, on sait jamais. On peut toujours respawner là sur le côté. Alors, autant enlever. Voilà. Allez, là, commence. Parfait. Nickel. Donc, on était où? Voilà. Donc, j'ai posé mon four. On va commencer à faire les. Mettre le fer. Voilà. Excusez-moi. Donc on est combien de minutes? 14e, ça va. Faudrait juste. Bon, on a trouvé de l'or, ça va, c'est tranquille. On va le miner. Donc on va prendre. On va faire une pioche, j'y arrivais, décidément. Il me faut des bâtons, j'ai déjà tous utilisés. Bon, on va en faire là. Parfait, on va attendre le troisième fer. Ah, il est où? Ils sont où, voilà.
nickel. Non, voilà. Et on va pouvoir chercher de l'or. Bon, je vais pouvoir réussir à passer. Ouais, et sinon, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que si j'arrive pas à trouver de la redstone au bout du de la fin du troisième épisode, je pense que je vais faire une. Oula, je vais faire du minage. Ah, il a loupé sa flèche. Et je vais faire du minage en ellipse, donc sans vidéo. Parce que bon, au bout du troisième épisode, quand même, si je trouve pas de redstone, c'est que vraiment. Bon, il m'a plus dans son champ de vision, c'est nickel. Non, il a que dans son champ de vision de 16, hein, si je me trompe pas. Voilà. Alors, on va prendre de l'or. On vérifie quand même, hein. Je sens vraiment pas. Ça risque de spawner derrière moi. Merci. Vraiment pas une bonne posture ici, hein. Le petit creeper là, on le sent. Alors, un petit filon. Nickel. Voilà. Hop. Non, il y a 5 or, c'est ça, 6. C'est parfait. On va reprendre. Alors, pour les tout ce qui est fer, je préfère prendre la pioche en pierre. On va tourner un peu. Ça évitera quoi où s'il y a quelque chose derrière nous. Hop. Alors, celui-ci, il faudrait que je bute. Mais je préfère quand même l'avoir un peu dans mon champ de vision. Ensuite, ici, on a encore du fer, décidément. Voilà. C'est pas plus mal de faire, mais bon, au bout d'un moment, on n'en a plus spécialement besoin, mais ça peut toujours servir pour faire des enclumes. Donc, on a 9 fers. Même si on a encore beaucoup dans le four. Alors, ici, je crois que c'est un peu la fin de. Plus rien après ici. Oh, je prends. On va mettre de l'eau. Je prends mes précautions pour descendre. Voilà. Ah, du diamant, nickel, parfait. Redstone. Bah voilà, tout ce qu'on voulait. Alors, bon, on va pas s'exciter direct. Donc, notre fer là-haut. Je voulais récupérer, bon, tant pis. Alors, on va faire ça délicatement. pas besoin de se précipiter. Bon. Pas besoin de se précipiter. On va torcher correctement. Bon, de fer pour le moment. Donc, faut toujours vérifier quand vous minez le diams. Parce que généralement, on est heureux qu'on a trouvé du diams. Vérifiez toujours quand il y a du diams à côté de. Je tourne beaucoup la tête. Quand il y a du diams. Je vais me foutre ici. Ah, j'ai cru qu'il y avait un bloc. Je vais me foutre ici. Voilà. Comme ça, c'est pas censé spawner. Quand il y a du diams là. Et qu'il y a de la lave autour. Vérifiez bien qu'il y ait un bloc en dessous. Parce que généralement. Par exemple, ici, vous avez votre bloc de diams. Vous minez celui-là et il y a de la lave en dessous. Et donc, vous perdez un diams. Ou deux diams si vous avez une pioche avec fortune dessus. Hop. Donc là, c'est bon, j'ai vérifié. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. En plus, on a de la redstone à côté. Bon, ça, c'est pas le problème, la redstone. Mais bon, c'est quand même pratique. Hop. On vérifie aussi qu'il n'y a pas de lave au-dessus. Bon, c'est plutôt rare, mais bon. On ne sait jamais. On va faire le tour. Du diams. Vérifie s'il y en a plusieurs. Ouais, bon, si on. Bon, c'est pas grave si on en a que deux. C'est déjà un bon début. Bon, il y en a que deux, décidément. Alors, on vérifie qu'on a de la place. Voilà. Hop, nickel. Donc, la pioche. Rappel, hein, bon, ça. Normalement, vous êtes. C'est censé être simple, enfin basique pour vous, mais pour les débutants, le diamant, faites attention de ne pas vous confondre de pioche entre la pioche en pierre et la pioche en fer. Ce serait un peu bête de louper votre diams, mais bon, normalement, vous voyez quand vous minez, ça mine directement moins rapidement. Alors, elle va vraiment loin cette galerie, elle est pas mal. Bon, il y a de la lave. Mais c'est pas grave. Sinon, on pourra aussi. Ah non, c'est une pioche en diams qu'il faut. J'ai même pas assez pour faire. J'ai. Ouais, je peux. Avec deux diams, je peux pas faire grand chose. Au moins avoir. Ouais, trois diams. C'est con. J'y ai pas trop pensé pour aller dans le nether. Ça serait. Parce que bon. Si là. Pas forcément avoir une armure en diams. Bon, c'est quand même pratique. Mais bon, si c'est que ça, on peut encore attendre. Hein, ça, c'est pas un problème. Mais au moins aller dans le nether pour faire. Quoi, des popos et après qu'on puisse commencer à faire des trucs sympas. Bon, le nether, on n'est pas obligé de le faire direct. Hein, là, si je trouve enfin, si j'ai suffisamment pour faire ma table d'enchant, donc là, minez pas sous vos pieds parce que normalement il y a de la lave. Ah, il y a de la redstone, cool. et minez jamais aussi en dessous de vos pieds. Voilà pourquoi c'est.
Et faites aussi attention, par exemple, vous avez un bloc là, il peut toujours y avoir de la lave derrière le bloc, et quand vous avez cassé le bloc, ça peut toujours, la lave peut toujours venir, même si elle met pas mal de temps à descendre, c'est pas grave. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est que... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà vérifier... Ah, on va se mettre en sneak. Ah. Bon, perdu. J'ai mal géré, j'aurais dû éteindre la lave ici. Donc, peut-être qu'on arrive à les récupérer. Voilà, nickel. Bon, 15, on va pas faire grand-chose avec 15, mais bon, c'est un petit début. J'ai dit... oula, j'ai cru qu'il y avait un Enderman qui s'était pop sur moi. J'ai pas trop compris. Ouais, bon. Alors, le fer, voilà. Ouais, un beau petit filon, là. Bon, on va... ça serait con de crever pour un filon de fer. Mais bon... je sais pas si c'est moi ou quand je tourne, il y a un truc. Bon, ça doit être un bug, mais bon. Voilà. Nickel. De la lave, c'est pas grave. Ici de la lave. Alors, notre fer. Alors, on remet de l'eau. Nickel. Hop. Voilà pourquoi je vous conseille de toujours faire assez rapidement. Ou sinon, vous pouvez vous mettre dans un trou avec de l'eau. Bon, éviter qu'il y ait du courant. Et comme ça, vous minez ici. Et comme ça, à chaque fois, l'eau arrêtera la lave. Ce qui est une bonne possibilité. J'ai récupéré mon... ouais, c'est nickel. Alors, je sais pas s'il y a encore de la... je crois plus qu'il y ait de la redstone. Bon, on a... c'est un bel endroit ici. On va aller du côté squelette, là-bas. Alors, ce serait bien de sortir. Nickel. Bon, décidément. Voilà. Merci. Tchac, là-bas, il y a du fer. Bon, on a combien du fer? 20. 6 or. Charbon, on a encore beaucoup. 43, bon, on peut se faire un... on peut s'en miner 2-3. Toujours très pratique le charbon, même si vous en avez beaucoup. Au bout d'un moment, à force de faire des torches, vous en aurez plus beaucoup. Surtout quand on va dans le nether, vu qu'il fait... non, si vous êtes dans une forteresse, il fait principalement sombre. Donc, pas mal de besoin de torches. Même parce que sinon, vous devez faire un aller-retour à chaque fois entre votre base et votre portail. Voilà. Ce que je vous conseille aussi, c'est que... quand vous arrivez à un endroit avec votre portail, c'est de toujours faire une protection autour de votre portail, parce que au cas où il y a un ghast qui spawn et que vous sortez votre portail, que vous n'avez pas forcément de briquet ou que vous l'avez oublié, bah, vous pouvez plus revenir chez vous. Et c'est un peu con. Alors, on va aller là-bas. Sinon, ouais, non, j'ai rien dit en fait. Bon, bah, en parlant de... alors, je vais juste vérifier si... ah, finalement, il n'y a rien au bout. Bon, bah, je pense qu'on va sortir, il n'y a plus grand-chose à prendre. Alors, le fer, 37. Bon, on va pas tout faire direct. Alors, ça nous prend pas mal de place. Bon, on va commencer à partir. Alors, on a notre four. Tchac. Notre atelier, on va un peu remonter à la surface. Hop, nickel. Alors, à partir du moment où j'ai plus mon lit, faut faire beaucoup plus attention quand vous cassez votre lit. Après, si vous avez beaucoup de laine, j'ai plus de torches. Si vous avez beaucoup de laine, j'aurais dû laisser mon lit, je me coupe à chaque fois. Si vous avez beaucoup de laine, ce que vous pouvez faire, c'est à chaque fois laisser votre lit, comme ça fait un peu des checkpoints. Et ça vous laisse le temps, si vous avez beaucoup de laine, comme ça vous pouvez... respawner, même si comme ça vous êtes sûr d'avoir un lit pas très loin de votre position, là vous êtes mort. C'est ce que je voulais dire. Alors, on a du fer partout. Bon, voilà. Ou un petit zombie. Oh bon, non, je suis pas censé avoir peur du zombie, mais bon, ce serait con de mourir. Alors, notre épée. Oula, il m'a fait peur lui. Ça laguait. Ah, tiens, une nouvelle crevasse. Merci le zombie. J'ai pas vu qu'il y en avait une. Bah, on va remettre notre lit, quoi. Tchac. Voilà. Donc, ce qui m'est déjà arrivé, c'est que je suis en train de dormir, il y a un creeper qui spawn et qui explose à côté. Ça, c'est vraiment les boules, vu qu'après, le point de spawn n'est même pas enregistré. C'est vraiment dégueulasse, mais bon, ça arrive. Alors, du lapis-lazuli, c'est-à-dire qu'il y a du diamant pas très lent, mais c'est possible que le lapis-lazuli se réfère au diamant qu'on avait déjà récup avant. Alors là-bas, c'est intéressant. C'est possible qu'il y ait du diamant.
Hop. Non, 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 non. Vite, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ma source. Ça, j'ai mal géré mon truc. Voilà, c'est bon. Maintenant, mais voilà, comme ça, on est sûr que ça spawn pas. Là-bas, j'ai réussi à en mettre une. On va prendre le lapis-lazuli pour tout simplement faire les enchantements. Vu que depuis la 1.8, bah, on est obligé d'avoir du lapis-lazuli pour faire les enchantements. Bon, avant de pouvoir faire l'enchantement, faut avoir le comment ça s'appelle? La table d'enchant. Voilà, je vais y arriver. Et du diamant magnifique, regardez, 4 beaux diamants. Or là, vu qu'ils sont pas loin de la lave, comme je vous l'avais dit, sur le sol. Magnifique, 4 diamants. J'en reviens toujours pas. On va bien vérifier. Ah, en plus, ça s'enfonce bien, peut-être 8. Ah, yes, 8. 8, nickel. Bon. Ah, en plus de l'or, parfait. Alors là, j'ai mis mon point de spawn. Alors là, on va pas se le cacher. Putain, j'ai plus de blocs. On va faire sécuriser au cas où s'il y a un mob qui spawn et qui m'éjecte dans la lave. On va mettre de l'eau au cas où. On sait jamais. Ça peut toujours être utile. Bon, là, il pourra pas m'éjecter au-delà. On va même mettre comme ça aussi si je crève et comme ça, les items ils peuvent. Ça évite qu'ils s'éjectent jusqu'à la lave là-bas. On va ramasser d'abord l'or. Alors, ce que je vous conseille, c'est toujours avoir le seau pas très loin de votre inventaire. Comme ça, au cas où, s'il y a de la lave qui coule. Ah, beau filon d'or aussi. S'il y a de la lave qui coule. Putain. S'il y a de la lave qui coule. Là, j'arrive pas de me couper, décidément. S'il y a de la lave qui coule. Vous pouvez directement le mettre. Alors, maintenant, on va pouvoir vérifier combien de diamants. Normalement, il est censé y en avoir. Enfin, d'après mon champ de vision, il est censé y en avoir 8. Ou peut-être plus en dessous. Bon, 8, c'est déjà beaucoup, hein. Voilà, tchac, tchac, ça en fait 6. Ouais, il y en a 8, c'est déjà suffisamment. Ça veut dire qu'on en a 10, ce qui est quand même pas mal. Donc 10 diamants, 10 diamants, 10 diamants, ça nous fait que on peut faire une épée, une pioche. Une pioche. Alors, ce qu'on peut faire, c'est bah, déjà miner l'obsidienne. Donc. Si je calcule pour le portail, si je me souviens. Alors pour la table d'enchant, j'ai toujours des problèmes. Je crois qu'il y en a. Ouais, il y en a deux. Ouais, c'est ça, il y en a deux. J'ai toujours un problème avec la table d'enchant. Donc, bah on va faire notre four. Alors, notre lit, il est où? Qu'on se foute bien à côté du lit. Voilà. Alors, notre lit. Ça serait bien aussi d'avoir une base. Comme ça, bah, dès qu'on remonte à la surface, on fait une petite base. Enfin, on se trouve déjà un bon biome. Et on se fait une petite base. Donc, 27 minutes. Bah, on va se quitter. Mais bon, en attendant, on va d'abord faire. Je voulais faire quoi? Une pioche. Bah, la pioche, on n'a qu'à la faire pour le prochain épisode. Donc, on est bien. Bon, c'est pas grave, il fait. On est bien pour le moment. Ça va, on a trouvé du diamant. De la redstone, il en faudrait légèrement plus. Donc, on va continuer un peu à miner. Après qu'on a suffi que je suppose qu'on ait suffisamment de redstone, au moins avoir un peu plus qu'un stack, comme ça on peut un peu commencer les systèmes. Même si c'est pas non plus énorme un stack, mais ça suffit à faire 2-3 choses. Oui, donc la prochaine fois, on fera bah, la pioche en diamants, on minera un peu d'obsidienne, on minera le fer là-bas, on essayera de trouver de la redstone, du diamant, ça serait l'idéal. Bon, de l'or, ça va. C'est pour plutôt les rails d'accélération qui c'est plutôt utile. L'or, ou les pommes, c'est vrai. Mais bon, j'utilise pas spécialement trop les pommes moi dans ma survie. Mais bon, ça peut toujours être utile si un jour on se fait. Bon, on le fera, mais bon, c'est dans quelques temps. Quand on va se faire l'end, l'or, c'est toujours utile pour faire des pommes en or. Sinon, bah voilà. Donc, on va se quitter. Donc. Sur le micro qui bug. Sinon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager. Ça fait toujours super plaisir. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une future vidéo. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine.